إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous allons étudier ensemble بإذن الله سبحانه وتعالى les fondements de la sunna, أصول السنة de l'imam Ahmed ibn Hanbal. أصول السنة c'est 50 points, 50 phrases. Et c'est pour cela, Inch'Allah, on va essayer de voir à chaque cours entre 5 et 6 points parmi ces points-ci. Ce texte-là, en fait, il nous a été transmis avec une chaîne de transmission. En réalité, il y a 3 chaînes de transmission différentes qui se rejoignent à la fin. Quand on dit à la fin, c'est-à-dire proche de l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est-à-dire au début de la chaîne en vérité, parce qu'on remonte, mais qui divergent à la fin de la chaîne. Ou bien, si on prend dans l'autre sens, qui se rejoignent à la fin de la chaîne, proche de l'imam Ahmed, et qui sont différentes au début de ceux qui la rapportent. Donc, il y a une chaîne de transmission qui est rapportée par l'imam Al-Lalakai, une autre chaîne de transmission qui est rapportée par l'imam Abu al-Mudhaffar, Abdul Malik, Ibn Ali, Ibn Muhammad Al-Hamadani, et une troisième chaîne de transmission qui a été trouvée par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans un manuscrit, et qu'il a reporté, rahimahullah, qui commence aussi par l'imam Abu al-Mudhaffar, mais il y a dans la chaîne quelques différences par rapport à celles qu'on connaît. Quoi qu'il en soit, ce sont des chaînes de transmission authentifiées jusqu'à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Nous n'allons pas nous attarder longuement sur la biographie de chacune des personnes dans la chaîne de transmission qui pourrait être faite dans une étude plus approfondie. Mais ici, l'objectif, c'est une étude générale de ce texte et non pas approfondie, car on ne pourrait pas la faire en 12 cours. Donc, on va se contenter de lire la chaîne de transmission que je vous ai transmise, qui en est une. L'imam Al-Lalakai, rahimahullah, a dit « Ali ibn Muhammad ibn Abdillah al-Sukkari nous a informé. Il a dit que Uthman ibn Ahmad ibn al-Sammak nous a dit que Abu Muhammad al-Hassan ibn Abdil Wahhab ibn Abi al-Ambar nous a dit, alors qu'il nous lisait son livre au mois de Rabi al-Awwal de l'an 293 de l'Hégire, que Abu Ja'far Muhammad ibn Sulayman al-Minqari al-Basri nous a raconté à Tinnis. Tinnis, c'est une toute petite île très proche de la terre en Égypte, proche de Dimyat. Il a dit, Abdous ibn Malik al-Attar m'a raconté. J'ai entendu Aba Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal radiallahu anhu dire. Il l'a dit radiallahu anhu pour l'imam Ahmed. Ça ne veut pas dire par là qu'il considère que c'est un sahabi, mais c'est une dua pour lui. Il est permis d'invoquer pour tout le monde radiallahu anhu pour un musulman. Qu'Allah soit satisfait de toi. Comme les gens ils disent en dialectal, Allah irda alayk, en dialectal ils disent ça, ça veut dire la même chose, qu'Allah soit satisfait de toi. Donc il y a une différence entre la dua qu'on fait pour le commun des musulmans, radiallahu anhu, ou radiallahu anhu, et celle qu'on fait des sahaba, on demande la satisfaction d'Allah pour eux, à savoir que l'on sait qu'Allah a été satisfait d'eux. C'est différent. Donc,
On trouvera beaucoup dans les livres, des écrits, des imams, des savants, qu'ils disent des grands savants, radiyallahu anhu, qu'ils disent des quatre imams, radiyallahu anhu. Ce n'est pas de l'exagération, ni même de les mettre à la hauteur ou à la place des sahaba. C'est juste une dua pour eux, comme une autre dua. Sauf que on a l'habitude, dans les livres, en général, qu'on dise radiyallahu anhu pour les sahaba et rahimahullah pour tout autre qu'eux. Pour tout autre que après eux, parmi les tabi'in, les tabi'in, les ulama, en général, on dit rahimahullah. Donc, il rapporte que l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhu, a dit « Les fondements de la sunna, selon nous, consistent à… » Les fondements de la sunna, on a déjà expliqué le sens de fondement. C'est les bases sur lesquelles on bâtit le reste, c'est-à-dire les bases essentielles, les règles fondamentales de l'islam. Parce que quand il dit les fondements de la sunna, ici c'est la sunna dans le sens la croyance, dans le sens la voie empruntée, le manhaj. Donc c'est ça le sens général, c'est-à-dire la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée. La croyance et la voie empruntée. Donc, les fondements de la croyance chez nous, quand il dit « chez nous », il veut dire chez les adeptes de la sunna, chez les croyants, chez les gens qui sont attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il veut dire par là « chez nous » et non pas chez les innovateurs. Chez nous, c'est-à-dire contrairement aux innovateurs. Nos fondements à nous, voilà. Quels sont nos fondements à nous, consiste à, premièrement, s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, s'attacher à cette pratique, à cette compréhension qui est celle des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, c'est une référence. Ceux qui s'attachent à ce fondement, ce qui est pratiqué par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons, alors cette personne, il est sur la bonne voie et il est sauvé. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de suivre sa sunna et de suivre la sunna des califes bien guidés, comme il est venu dans le hadith de Irbad ibn Sariyah. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté allait se diviser en 73 sectes, que toutes iraient au feu sauf une. Quand ils ont demandé quelle est-elle, il a dit, ce sont ceux qui sont sur la même voie sur laquelle je suis actuellement, ainsi que mes compagnons. Ainsi que mes compagnons. Hadith, il est rapporté par l'imam Tirmidhi et il a été jugé acceptable. Il y a une autre version qui est plus authentique que cela qui dit « al-jama'a », le groupe, c'est-à-dire le groupe des croyants. Le premier groupe des croyants, qui sont-ils? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. De même, il est venu dans d'autres variantes « as-sawad ul-a'zam », le plus grand groupe. Et les savants ont expliqué cela par plusieurs explications. Premièrement, le plus grand groupe, c'est-à-dire le plus nombreux dans les époques, dans les meilleurs siècles. Car dans les meilleurs siècles, les plus nombreux étaient sur la bonne voie. Mais comme il est venu dans des textes authentiques, dans la majorité des cas, les gens de vérité ne sont pas les plus nombreux. Et effectivement, après les meilleurs siècles, les gens de la vérité n'étaient plus les plus nombreux, mais ils sont devenus une minorité. Et il y a plusieurs textes qui prouvent cela. Dans le Coran, où Allah Ta'ala dit que très peu parmi ses serviteurs sont reconnaissants, que la majorité des gens ne savent pas, et beaucoup de versets dans ce sens-là. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des ghuraba, des étrangers à la fin des temps, qui sont peu par rapport au nombre de gens qui font le mal. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il restera toujours un petit groupe de sa communauté sur la vérité apparente. Donc, plusieurs textes viennent démontrer que les gens sur la vérité
va dire, si on regardait dans l'histoire de l'humanité, ils sont une minorité. Mais il peut y avoir des moments de l'histoire où ils sont une majorité. Donc, quand c'est des moments où ils sont une majorité, alors le grand groupe, c'est le plus grand nombre. Et quand c'est des moments où ils sont minorité, alors le grand groupe, cela veut dire le grand dans le sens l'éminent, le plus important, ceux qui sont sur la vérité et non pas le plus grand en nombre. C'est-à-dire, il est grand, ce groupe, il est grand de par ce qu'il comporte de vérité, et non pas par le nombre d'adeptes qu'il a. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a clairement dit que la personne qui est sur la vérité, c'est lui al-jama'a, c'est lui le groupe, même s'il est tout seul, même s'il est seul. Comme Ibrahim alayhi salatu wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala l'a appelé umma. Kana Ibrahim ummatan. Ibrahim était une umma. Ibrahim était une communauté. À lui tout seul, c'était la communauté de la vérité. Car il était dans une époque où les gens de la vérité, ils étaient très peu. Alayhi salatu wa salam. Donc, quand l'imam Ahmad ibn Hanbal dit, chez nous, les fondements de la sunna, c'est de s'attacher à la pratique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à l'opposé des partisans des innovations religieuses qui ne suivent que leur passion. Et qui se réfèrent à leur raison corrompue et qui prétendent se référer à la langue arabe ou bien à la logique. En réalité, ils ne font que se référer à ce que Shaytan leur insuffle comme idée et ils font passer leur raison corrompue sur les textes clairs et illuminés de la révélation. Donc, l'imam Ahmad ibn Hanbal et ses prédécesseurs parmi les imams de l'islam et avant eux les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs successeurs qui sont venus après eux parmi les grands imams de l'islam, pour eux, la religion à laquelle ils s'attachent, c'est le fait de s'attacher au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, spécifiquement dans le domaine du dogme, mais dans tous les domaines de la religion en général. Et par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne sortent pas de cette voie-là. Alors, si on sait qu'il est obligatoire pour tout musulman, et spécifiquement pour les étudiants en sciences, de suivre le chemin des compagnons, alors il doit connaître, il doit lire l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam de tous les hommes, et l'avis des compagnons, radiallahu anhum. Car, comme il a dit ici, les fondements de la sunna auprès de nous consistent à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. D'ailleurs, après eux, les innovations sont apparues en islam. Parmi les premières innovations qui sont apparues, l'innovation des Khawarij. Et ils sont appelés ainsi car ils sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le jour où il y avait les deux juges qu'ils ont choisis. Car ils ont détesté qu'il y ait un jugement entre les croyants pour éviter les querelles et pour les réunir. Aussi, la bid'a de rafd. La bid'a, l'innovation du rejet. Rafd, ça vient du terme rafaba. Le fait de refuser, le refus et le fait de délaisser. Pourquoi on les appelle ainsi? Car quand est sorti Zayd ibn Ali, ibn al-Hussein, les Shia, ils l'ont pris comme imam. Et ceci était au début du deuxième siècle de l'Égypte. À l'époque du califat de Hisham ibn Abd al-Malik. Al-Shi'a, ils l'ont suivi. Al-Shi'a, c'est qui? Ce sont ceux qui ont prétendu être les alliés de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, ils sont les alliés de Shaytan. Alors, ils ont suivi Zayd ibn Ali ibn al-Hussein et ils lui ont demandé que pensait-il de Abu Bakr et de Omar. Alors, il a dit du bien d'eux. Et il a dit, je dis du bien d'eux, comme disaient mes pères du bien d'eux. Qui sont ces pères? Ce sont la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les descendants de l'Hussein et les descendants de l'Hassan, les descendants de Ali.
Il dit, je dis du bien d'eux comme disaient mes pères du bien d'eux. Et il a invoqué la miséricorde d'Allah pour eux. Alors, ils ont refusé. Rafadou. Rafadahu al-qawm. Qu'est-ce qu'a dit Zayd ibn Ali? Vous m'avez refusé. Rafadtumuni. Fasummu al-rafida. Ils ont été appelés depuis ce jour-là rafida. Ceux qui refusent. Ceux qui rejettent. Et en fait, Rafida, c'est tous ceux qui rejettent l'imama, la gouvernance de Abu Bakr et de Omar, et qui se désavouent de deux. Qui se désavouent de Abu Bakr et Omar. Et jusqu'à les rendre mécréants, etc., etc. Après, dans les Rafida, il y a des degrés. Le plus bas degré, c'est qu'ils refusent qu'ils étaient les meilleurs de cette communauté et leur imama, qu'ils étaient les imams des croyants. Ça, déjà, c'est une innovation en soi, même s'il ne les rend pas mécréants. C'est déjà une innovation en soi, seul, et un égarement. Et il y en a qui vont plus loin dans l'innovation et l'égarement jusqu'à les rendre mécréants et les maudire, comme les Rafida iraniens aujourd'hui, et les Houthiyin au Yémen, et Hezbollah, Hezbollah Shaitan au Liban, et etc. Al-Ja'fariya et d'autres. Non. D'ailleurs, ils utilisent le taqiyya. Parfois, devant un sunni, ils vont dire non, on les maudit pas. Et après, derrière, ils font une fête où ils les maudissent, où ils font un gâteau, où ils maudissent la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, et ils disent Aïcha est en enfer. A'oudhu billah, ils démentent le Coran. Sans compter toutes les autres mukaffirat, mécréances qu'ils ont dans le fait qu'ils disent que le Coran qu'on a, ce n'est pas le Coran qui a été révélé, etc., etc. Celui qui veut en connaître plus sur les chiites, j'ai fait un cours complet que vous trouvez sur Internet sur les chiites. Puis, parmi les innovations qui sont apparues dans les premières périodes, il y a l'i'tizal. La bid'a de l'i'tizal, ce qu'on appelle les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ce sont les compagnons de Wasil ibn Atta al-Ghazzal. Wasil ibn Atta al-Ghazzal, il était dans l'assise de l'Hassan al-Basri, rahimahullah. Et il disait, celui qui fait un grand péché, il n'est ni croyant, ni mécréant, mais il est dans une position intermédiaire entre les deux. Alors, Al-Hassan al-Basri l'a viré de son assise. Alors, cette personne, Wasil ibn Atta, et ses compagnons, ils ont fait un groupe, ils se sont séparés, et i'tazalu majlis al-Hassan. Ils se sont séparés de l'assise de Al-Hassan al-Basri. Et ça, ça montre le danger, barakallahu fikum. Quand on se sépare des imams de la sunna, quand on s'éloigne des gens de science de notre ville, de notre pays, de notre contrée, c'est le début de l'égarement. C'est comme ça que tous ces groupes se sont égarés, en se croyant plus intelligents, plus savants, meilleurs, plus compétents, plus à même de comprendre les textes que les savants et que les étudiants qui étaient autour d'eux, de la sunna. Et ils se sont séparés d'eux et se sont divisés d'eux. Et ont fait leur propre groupe. Et jusqu'à maintenant, on étudie leur égarement. Et leur nom est cité en mal. Et il sera cité en mal jusqu'au jour du jugement dernier. Parmi les grandes innovations qui ont apparu aussi pendant cette période-là, il y a la bid'a de l'qadar, al-qadariya. Ne confondez pas avec al-qadiriya. Al-qadiriya, c'est une secte soufie qui est égaré aussi. Mais là, on parle d'autre chose. Al-Qadariya. Les gens de la Sunna les ont appelés ainsi car ils ont prétendu que ce sont eux qui créent leurs actes en dehors d'Allah. De même qu'ils ont rejeté l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les gens qui ont fait des grands péchés de sa communauté le jour du jugement dernier, pour qu'ils sortent du feu de l'enfer. De même qu'ils rejettent le fait que les croyants voient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. De même qu'ils renient les châtiments dans la tombe et les questions des deux anges, Munkar et Nakir, et le fait que la balance soit posée le jour du jugement dernier pour peser les œuvres et les feuillets des serviteurs. Et ils ont aussi dévié jusqu'à dire que le Coran a été créé. Donc, le Jahmiya, c'est une suite. Et d'autres égarements que cette secte a perpétrés. D'ailleurs,
par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait une série de conférences à l'île Mayotte où je parle de la vérité sur les sectes et je détaille sur ces quatre sectes-là. Elle n'est pas encore en ligne, mais elle sera en ligne incessamment sous peu, inshallah. Et cette conférence est basée sur un écrit de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. C'est une conférence en trois cours, de une heure à peu près, qui parle de ces sectes-là. Donc, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont été face à ces innovations? Comment ils se sont comportés face aux innovateurs? Ils ont réprouvé cela. Ils ont eu de la jalousie envers leur religion. Et comme cela a été rapporté dans le Sahih de Muslim, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, quand on lui a annoncé l'innovation de l'Qadariyya, il a dit à celui qui lui a rapporté cette nouvelle, quand tu les rencontreras, annonce-leur que je me désavoue d'eux, je me désolidarise d'eux, et que eux, ils se désolidarisent de moi. Puis, il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon son père, que Jibril alayhi salat wa salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Jibril dont on connaît, où il parle de l'islam, de l'iman et de l'ihsan, et de l'heure et des signes de l'heure. Donc, pour justement réfuter le fait qu'il rejette la croyance dans la destinée, qui est citée dans ce hadith. Ali ibn Abi Talib, comment a été sa réaction face à la bid'a des Khawarij? Il les a réprouvés. Il leur a envoyé son cousin, le savant, l'érudit de cette communauté, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, pour essayer de les convaincre, pour débattre avec eux. Et il a réussi par la grâce d'Allah à convaincre 4000 parmi eux de se repentir. Mais le reste, ils sont restés. Jusqu'au point où quand il a vu qu'il n'y avait aucune solution, il les a combattus. An-Nahrawan, radiallahu anhu. Donc, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu des positions très claires et très fermes contre les innovateurs et contre les innovations. Et on voit à travers leur position comment ils détestaient et ils haïssaient pour Allah les gens de l'innovation. Abu Umama, radiallahu anhu, comme ça a été rapporté dans Sunan ibn Majah, quand il a vu les Khawarij comme ça qui étaient morts, et il a vu leur tête parmi eux, certains étaient crucifiés, il a dit, les chiens de l'enfer, ce sont les pires des créatures, et les pires dépouilles que cette terre ait portées. Vous imaginez? Il les voit morts devant lui. Comment il les traite et comment il montre sa réprobation contre eux. Mais en même temps, il a dit ils étaient musulmans, puis ils sont sortis de l'islam. Puis ils sont sortis de l'islam. Et il a récité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les khawarij qui est long et qui est bien connu, où il a cité une partie de ses caractéristiques, qu'ils sont les chiens de l'enfer. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de s'attacher à sa sunna et à la sunna des califes bien guidés et à la compréhension, à la pratique et à la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'imam Ahmed a commencé son épître par cela. Les fondements de la sunna pour nous, qu'est-ce qu'il a dit, sont le fait de s'attacher à la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, consiste à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit wa liqtida'u bihim. La première, c'est usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa liqtida'u bihim. Deux, les prendre pour modèle. Les prendre pour modèle. Et effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint de les prendre pour modèle. Il a dit dans Sourate An-Nisa, verset 115, dans le sens des versets, et celui qui contredit le messager d'Allah après que la guidée lui ait été exposée, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous le délaisserons dans son égarement, et nous le brûlerons dans la Jahannam, et quelle mauvaise demeure.
Quand il dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ dans le verset, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, il parle de qui ici, les croyants? Les premiers croyants, les sahaba radiallahu anhum, qui sont les plus hauts de cette communauté en foi, qui sont les meilleurs auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, si vous dépensiez comme Uhud en or, vous n'arriverez pas à atteindre un moud ou la moitié de celui-là, de la valeur de mes compagnons. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le troisième principe, wa tarkul bid'ah. Wa tark al-bid'ah. Et le fait de délaisser les innovations. Délaisser les innovations religieuses. Car une innovation, quand elle n'est pas dans la religion, on n'appelle pas ça une innovation. En dehors de la religion, il est permis d'inventer, d'innover dans le halal. Mais nous, on parle ici dans le domaine de la religion. Allah tabaraka wa ta'ala a complété sa religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et j'ai complété sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion, dans le sens des versets. Donc, celui qui vient avec une chose nouvelle dans la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est comme s'il avait prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait son devoir de transmettre le message. Ou bien elle a trompé sa communauté. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre ce avec quoi tous les prophètes alayhim salatu wa salam sont venus, qui est le fait d'appeler au tawhid, de s'attacher à un seul groupe, le groupe des croyants, de ne pas se diviser en différents groupes. D'ailleurs, c'est une des innovations les plus répandues à cette époque qui est apparue, c'est al-hizbiyya, le sectarisme. Le fait de se diviser en différents groupes, en différents partis, les partis politiques, les différents groupes de pensée, les différents groupes associatifs et je ne sais quoi d'autre. Et à leur tête, tous les groupes des Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans et des Sururiyin qui sont là à avoir plusieurs organisations secrètes par lesquelles ils se séparent. Et ils se divisent du groupe des croyants et ils manigancent contre leurs intérêts et contre la stabilité des musulmans et de leur pays. D'ailleurs, tout le mal que l'on vit dans le monde musulman est en grande partie à cause de ces sectes égarées qui n'ont cessé de manigancer pour déstabiliser les pays musulmans. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations et c'est d'ailleurs le principe qui vient après et qui va avec celui-ci, où il dit « car toute innovation est bel et bien un égarement ». Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur cela qu'on sera questionné le jour du jugement dernier. Et dans la tombe avant cela, quand les deux anges vont nous demander « que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé ?» Alors, celui qui s'est attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pourra répondre, mon prophète est Mohammed. Cet homme est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, l'innovateur qui ne s'est pas attaché à sa sunna et qui ne voyait pas le danger de ces innovations-là, alors il ne pourra pas répondre, il dira comme les mécréants et les hypocrites, ha, ha, la adri, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai dit comme les gens disaient. Les gens, ils disaient, alors j'ai dit. Les gens, ils faisaient, alors j'ai fait avec eux. J'ai suivi comme un mouton. Mais ceci ne leur servira à rien comme excuse dans la tombe. Ils se feront frapper par Munkar et Nakir quand ils ne seront pas capables de répondre à cette question. C'est pour cela que les savants disent que dans les questions de la croyance, il n'est pas permis de suivre quelqu'un. On est dans l'obligation de suivre la preuve. Comme d'ailleurs dans tout sujet de la religion, mais encore plus dans la croyance. Dans le sens où on doit connaître au moins les quelques fondements, les quelques preuves de base sur les croyances que nous avons. Comme a dit Cheikh Saleh Al-Sheikh, même ne serait-ce qu'une fois dans la vie, le jour où cette croyance, il l'accepte, il connaît sa preuve, même si après il ne mémorise pas, par exemple, le verset ou le hadith. Mais il se rappelle qu'il l'avait accepté à cause du verset et du hadith tel et tel, par exemple.
Ça, c'est le minimum obligatoire pour tout musulman, tout commun du musulman. Il ne doit rien accepter dans sa croyance sans preuve. Car dans la tombe, répondre, les gens le disaient, alors je disais, ça lui servira à rien. Faudra qu'il réponde avec certitude sur une science certaine, sur une croyance qu'il a prise sur une science certaine avec des preuves du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Authentique. Non, quand on dit la Sunna authentique, car ce qui n'est pas authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le considère pas de sa Sunna. Donc, Allah nous a ordonné de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, dans Sourate An-Nur, verset 54, dans le sens du verset, dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et il dit dans Sourate Al-Hashr, verset 7, dans le sens du verset, ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. De même, dans Sourate Al-Ahzab, verset 36, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens du verset, il ne convient pas à un croyant ou à une croyante quand Allah et son messager ont décrété un ordre qu'il leur reste un choix de leur part. Donc, tu seras questionné dans ta tombe et le jour du jugement dernier sur ton suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait d'avoir rendu véridiques les informations avec lesquelles il est venu. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-A'raf, versets 6 et 7, dans le sens des versets, certes, nous allons demander, nous allons questionner ceux vers qui les messagers ont été envoyés, comme nous allons questionner les messagers. C'est pour cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit tout à l'heure dans le hadith de Ibad ibn Sariya, hadith rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi, qui est un hadith qui est acceptable et qui a été rendu authentique par l'imam al-Albani, rahimahullah, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences, alors attachez-vous à ma tradition et à la tradition de mes califes bien guidés, et attention à toute innovation ou toute hérésie, car toute innovation, toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement. Donc ce titre qu'il a dit, wa kullu bid'atin fahiya dalalatun, toute innovation est bel et bien un égarement, il l'a pris du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa kullu bid'atin dalala, kullu, tout cela englobe tout acte, toute parole, toute croyance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans cette affaire ce qui n'en fait pas partie, ce sera refusé. Il se verra refusé ou rejeté, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans l'autre variante, le hadith de Aïcha où il dit, « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahurad » Celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il sera rejeté. Donc on doit attendre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'agir dans les adorations. D'ailleurs, c'est pour cela que les savants ont dit, la base dans les adorations, c'est l'interdiction. C'est-à-dire que tout est interdit, jusqu'à preuve du contraire. À la différence des relations et des contrats et de la vie de tous les jours où tout est halal jusqu'à preuve du contraire. La preuve de cela, c'est ce hadith. Celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il se verra rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaché l'acte accepté par le fait qu'il soit précédé par son ordre. S'il n'est pas précédé par son ordre, cet acte est rejeté et cette personne est rejetée. De même, Allah tabarak wa ta'ala dit أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Ont-ils pris des associés qui leur ont légiféré en religion ce pourquoi Allah n'a pas donné sa permission dans le sens des versets? On voit aussi dans ce verset que tant qu'Allah n'a pas donné sa permission, il n'est pas permis de légiférer quelque chose en islam, en religion. Et toute innovation est un égarement. Toute innovation. Et non pas comme certains ont dit, que certaines innovations, ou bien les innovations sont de plusieurs sortes, comme on peut le retrouver aussi chez Nawawi, mais c'est une erreur évidente. En réalité, on ne peut pas appeler les sortes dont il a parlé lui, innovation,
car elles sont basées sur des preuves. Quand il dit il peut y avoir des bid'a wajiba, des innovations obligatoires. Si on dit que c'est obligatoire, c'est que c'est basé sur une preuve du Coran et de la Sunna. Donc à partir de là, cela ne s'appelle plus une innovation. Une innovation, c'est tout ce qui n'est pas basé sur des preuves ou qui est contraire aux preuves. Donc cette appellation est une erreur. Toute innovation est un égarement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit. Et les choses qui n'ont pas été présentes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été légiférées après pour protéger ou préserver les adorations, on n'appelle pas ça des innovations, mais ça rentre dans le masalih al-mursala. Ça rentre dans, on va dire, tout ce qui est autour des adorations, et non pas dans l'adoration propre. Par exemple, comme le fait, aujourd'hui, on va dire, on va faire des universités pour apprendre la science. Comme le fait de réciter le Coran dans un micro. Ça ne change pas l'adoration en elle-même, la salat. La salat, elle reste la salat comme elle est. C'est juste la voix qui est transmise à travers un micro. Ceci, on ne peut pas appeler ça une bid'a. Ça ne rentre pas dans l'adoration. Donc, on ne peut pas rentrer ça dans la définition de la bid'a. Pareil, faire des universités, etc. Ceci ne rentre que dans l'organisation des choses. Ce ne rentre pas dans l'adoration même, dans la pratique même de la religion. Non. Cette innovation, elle peut apparaître dans les moyens utilisés pour la da'wah, car la da'wah est une adoration. La da'wah, c'est une adoration. Elle doit être faite par les moyens que Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont légiféré. Demain, quelqu'un dit, nous, on va faire da'wah en faisant des matchs de foot. Nous, on va faire da'wah en faisant des spectacles, des spectacles de théâtre, comme les Ikhwan al-Muflisin, ils font. Ça, c'est une innovation en religion. On ne peut pas faire cette adoration-là de cette manière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les meilleurs siècles n'ont jamais utilisé ces mascarades-là pour appeler à la religion. D'ailleurs, ces manières-là sont des moyens pour rabaisser la religion en réalité. Et pour se moquer de l'islam plus que de rentrer la valeur de la foi dans le cœur des gens. Comment on rabaisse la religion à des scènes de théâtre? On rabaisse la religion à des moqueries et à des blagues? On rabaisse la religion à aller dire la da'wah, c'est aller taper dans un ballon? Est-ce que ce n'est pas se moquer de l'islam que de faire cette chose-là? Est-ce que l'islam est un jeu? Est-ce qu'Allah a envoyé son prophète pour jouer, pour faire perdre le temps aux gens? Sans compter toutes les interdictions qui rentrent dans leurs différents moyens, comme le fait de mentir pour faire des spectacles, du théâtre, ils mentent, ils jouent des rôles, comme le fait d'imiter les koufars, comme le fait que peut-être parfois certains hommes, ils vont faire les efféminés, ou autre chose encore, haram. Parfois ça va même plus loin, car ils imitent des pervers et des égarés et des mécréants, et eux-mêmes ils disent des paroles de mécréance et de pervers. Est-ce qu'il convient qu'un croyant pieux, il joue le pervers, il joue un kafir, il joue le rôle d'un kafir, il dit des paroles de kufr pour jouer, pour faire rigoler la galerie, pour amuser la galerie? A'oudhu billah, quel égarement! Comment une personne, elle peut rentrer dans la poitrine des gens, dans le cœur des gens, le respect pour l'islam, l'amour pour Allah et son prophète, en faisant des choses aussi basses que ça, ou des choses pires que ça? Et après, on dit oui, mais ça, c'est des moyens de da'wah. Ça, c'est pas des moyens de da'wah. Ça, c'est des moyens de perte de temps et parfois, la plupart du temps, même de haram. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ses prêches, il les commençait par quoi? Ceci dit, la meilleure des paroles est celle d'Allah et la meilleure des guidées est celle de Muhammad. La pire des choses sont les hérésies. Toute hérésie est une innovation religieuse et toute innovation religieuse est un égarement. Voilà comment il commençait ses prêches, sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'était pas si important que ça, si grave, est-ce que vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commencerait tous ses prêches par cela? Et quand il faisait ce prêche, sa voix s'élevait, sa colère s'intensifiait, ses veines jugulaires enflaient, son visage devenait rouge, comme s'il avertissait l'approche d'une armée. Comme quelqu'un qui disait, attention, il y a une armée qui arrive le matin ou qui arrive le soir. Tout ceci à cause de la gravité et du danger des innovations. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, quand il sera au bord de son bassin, qu'il va être là à accueillir, à vouloir accueillir les croyants pour les faire boire du kawthar, que va-t-il se passer? Les anges vont s'interposer entre lui et un groupe de gens. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire « ma communauté !» Et les anges de répondre « tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de retourner sur leurs pas
après que tu les as laissés, après que tu les aies laissés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va se fâcher contre eux et il va dire « Loin de moi ces gens, loin de moi ces gens !» Et ils seront éloignés et ils seront privés de boire du Kawthar. Qui sont-ils? Ce sont les innovateurs. Alors, on a parlé du fait de délaisser les innovations religieuses, car toute innovation est bel et bien un égarement. Et les deux autres points sont liés à cela. Renoncer aux disputes et à s'asseoir avec les gens de la passion ou des passions. Et délaisser toute polémique, débat et dispute dans tout ce qui touche à la religion. Parmi les fondements de la sunna, il y a le fait de renoncer aux disputes et de renoncer à s'asseoir avec les gens de la passion, de délaisser toutes les polémiques et les débats et les disputes dans tout ce qui touche la religion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas engager beaucoup de débats. Il faut discuter que là où on trouve une utilité. Donc pour cela, il y a des conditions. À la base, en islam, on évite les débats et on évite les polémiques, surtout avec les gens des passions. Mais parfois, cela peut être permis ou même obligatoire, comme l'histoire d'Abdullah ibn Abbas qui a été débattre avec les Khawarij, n'est-ce pas? Par l'ordre de Ali ibn Abi Talib. Mais pour cela, il y a des conditions. La première condition, celui qui débat doit maîtriser le sujet dont il va parler. Et barakallahu fikum. C'est ça le problème qu'on a avec beaucoup de gens de France. Tout le monde parle de tout. Tout ignorant, tout novice, tout n'importe qui, il ouvre son Twitter, son Internet, il ouvre un site, un blog, un je ne sais quoi, un YouTube, toutes les pourritures qui sont sorties à cette époque, et il parle. Où il a étudié? Allahu a'lam. Comment? Allahu a'lam. Mais au contraire, on voit dans ce qu'ils écrivent qu'ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils disent. Malgré cela, ils égarent les gens, mettent les gens en danger avec leurs paroles et leurs écrits, et ils se mettent en danger eux-mêmes avant cela. Donc la première condition, c'est maîtriser ce dont on parle. Ça, c'est dans tous les domaines de la religion. Non pas seulement dans le débat, mais dans le débat encore plus, surtout si on va aller polémiquer avec un égaré. Première condition, maîtriser le sujet dont on va parler. C'est très important. Dans cette maîtrise, cela sous-entend connaître les choses équivoques et les doutes qui sont amenés par les innovateurs et savoir comment y répondre. Deuxième condition, on ne doit jamais débattre pour vouloir battre son adversaire. Mais on doit débattre pour que la vérité apparaisse, pour atteindre la vérité. Ça, c'est la deuxième condition du débat acceptable. Troisième condition, il faut que l'on pense fortement que cette discussion, elle va être utile. Elle peut être utile de plusieurs manières. Premièrement, cela peut être utile pour montrer l'ignorance et l'égarement de cet égaré, de cet innovateur devant les gens. Par exemple, un innovateur, il vient, il répand son poison, il répand ses égarements, il répand ses croyances équivoques à tout le monde. Et quelqu'un de la sunna, connaisseur, savant, il vient débattre avec lui. Il n'espère pas spécialement sa guider. Peut-être, Allah, il est capable de le guider. Mais avant tout, il espère dissiper les doutes et les égarements et les choses équivoques qu'il a répandues auprès des gens. Donc, il débat avec lui pour le faire taire. Il débat avec lui pour faire gagner la sunna sur la bid'a. Et non pas pour lui gagner en tant que personne sur l'autre. Ça, c'est une utilité. La deuxième utilité, c'est qu'on pense que cette personne qui est en face de nous, elle est à la recherche d'un bénéfice. Elle est à la recherche de la vérité. Elle veut comprendre. Elle veut connaître. Ça aussi, il y a une utilité. Donc, si ces conditions sont réunies, il est permis de débattre dans les limites et dans la manière que l'islam l'autorise. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, de ne débattre avec les gens du livre illa billati hiya ahsan, que de la meilleure des façons. Donc, s'il y a des gens du livre qui cherchent la vérité, on débat avec eux de la meilleure des façons. Mais par contre, une personne qui veut dominer à tout prix, n'ouvre pas le débat avec elle.
sauf si c'est pour rabaisser sa bid'a aux yeux des gens. Oui, là, tu le fais. Si tu es capable, si tu es quelqu'un qui est formé pour cela. Le problème, c'est quand la personne, elle se forge des illusions sur elle-même. Elle croit qu'elle est capable de tout, alors qu'en vérité, elle sait rien faire. Elle connaît rien. Elle va aller débattre avec des innovateurs. Dans deux semaines, on va le retrouver. Premier débatteur et polémiqueur pour les égarer, les innovateurs. Parce qu'il s'est fait avoir dans leur filet. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous voyez ceux qui suivent les textes équivoques, sachez que ce sont eux qu'Allah a cités, méfiez-vous-en. Et il a voulu parler de cela dans sourate Ali Imran du verset 7. Les gens qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques cherchant la dissension. Donc il parle d'eux ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un innovateur, il va pas venir te voir, te dire, oui, fais ça parce que Shaitan il me l'a dit ou parce que je l'ai lu dans la Bible ou dans la Torah. Tout le monde verrait son égarement. Il va utiliser des versets du Coran, il va utiliser des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ou bien ils sont équivoques dans le sens que l'on peut en tirer, ou bien parfois ils se basent sur des textes qui sont pas authentiques, ou bien ils sont authentiques mais ils leur donnent une interprétation qui est fausse. D'ailleurs, quand Ali ibn Abi Talib il a envoyé Abdullah ibn Abbas au Khawarij, il lui a dit « débat avec eux par les hadiths ». Abdullah ibn Abbas, il a dit « mais tu sais très bien que je maîtrise le Coran ». Il dit « oui, mais le Coran, il peut avoir plusieurs visages ». C'est-à-dire, chacun, il peut faire dire au Coran ce qu'il veut, lui donne l'interprétation qu'il veut. Mais les hadiths, ils sont plus nombreux. Et en général, les hadiths, ils viennent sur des sujets plus précis, moins généraux. Donc, comment ils vont pouvoir s'enfuir sur un hadith précis, sur une parole précise? Ils peuvent toujours essayer de s'enfuir en prenant des généralités. Ils prennent un verset général, ils l'interprètent à leur manière. Quelqu'un prend un verset, « Wala dhikrullahi akbar » et l'évocation d'Allah est la chose la plus grande. Et il vient, il t'invente un dhikr. Il dit « Allah, il dit que wala dhikrullahi akbar » par exemple. Allah Ta'ala dit « Udhkurullah » évoquez Allah. Lui, il te dit « Allah, 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 Allah ». Tu dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Allah ». Il dit « Évoque Allah, dis Allah ». Comment tu vas lui répondre? Tu vas lui répondre pour celui qui maîtrise le Coran, il va lui répondre par le Coran, par la Sunna, par la parole des salafs, et il va le faire taire. Mais celui qui ne connaît pas, il va se faire tromper. Non. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de s'éloigner de ces polémiques et de ces disputes en religion, sauf dans les conditions que j'ai citées auparavant, et s'il y a un intérêt. Et en dehors de ces conditions-là, il est strictement interdit de se disputer, de polémiquer et de discuter sur les sujets de la religion, surtout avec des innovateurs. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, comme ceci a été rapporté dans l'Ibanatul Kubra d'Ibn Battah, un homme est venu le voir, il lui a dit « Oh Abu Hamza, j'ai rencontré des gens qui démentent dans l'intercession et dans le châtiment de la tombe, Al-Qadariya. » Alors Anas a dit « Voilà les grands menteurs, ne t'assois jamais avec eux. » Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit « Ne t'assois pas avec les gens des passions, car s'asseoir avec eux rend les cœurs malades. » Abu al-Jawza, qui faisait partie des grands tabi'in, il a dit « Je préfère que mes voisins soient des singes et des porcs plutôt que ce soit un parmi les gens de la passion qui soit mon voisin. » Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit « Ne t'assois pas avec une personne de l'innovation, car j'ai peur que la malédiction d'Allah tombe sur toi. » Deux hommes sont entrés voir Muhammad ibn Sirin, le grand tabi'i, rahimahullah. Ils lui ont dit « Oh Abu Bakr, on veut te citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il a dit « Non. » Il a dit « Alors laisse-nous te lire un seul verset du Coran. » Il a dit « Non, ou bien vous vous levez pour partir ou c'est moi qui vais me lever pour partir. » Alors ils se sont levés et ils sont partis. Certains de l'assise lui ont dit « Ya Aba Bakr, qu'est-ce que ça te fait qu'il te lise un verset du Coran? Qu'est-ce que ça te fait qu'il te lise un verset du Coran ?» Il a dit « Je crains qu'il n'y sème une tentation dont je ne pourrai plus me débarrasser. » Allahu Akbar. Abdurrazzaq, il raconte que Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, il a dit « Je vois qu'il y a beaucoup de Mu'tazila chez vous. » Il a dit « Oui. »
et eux, ils prétendent que tu fais partie d'eux. Viens, on rentre dans ce magasin, on va discuter. Et Abdelrazak, l'imam Abdelrazak, sahib al-Musannaf, il lui a dit non. L'autre, il dit, pourquoi tu veux pas rentrer avec moi? Il a dit, les cœurs sont faibles. Et la religion n'appartient pas spécialement à celui qui vint l'autre. Il a été rapporté de l'imam al-Awza'i, rahimahullah, que un homme disait, moi, je m'assois avec les gens de la sunna et je m'assois avec les gens de la bid'a. Al-Awza'i a dit en parlant de cet homme, ça, c'est un homme qui veut rendre égal la vérité et le faux. Ça, c'est un homme qui veut rendre égal la vérité et le faux. On trouve beaucoup cette parole aujourd'hui. Oh, moi, je m'assois avec tout le monde. Moi, de toute façon, c'est pas grave, je m'assois avec tout le monde. L'imam Ibn Battah, rahimahullah, a dit, nous avons connu des gens qui insultaient et qui maudissaient les innovateurs en religion. Mais lorsqu'ils se sont liés d'amitié avec eux, ils se sont assis avec eux, ils sont devenus des leurs. Allahu Akbar. Ceci aussi a été connu à une époque où un qui était très connu dans la science, il polémiquait avec les athées. Il disait, je veux juste voir qu'est-ce qu'ils ont à dire, connaître leurs arguments pour savoir, jusqu'à ce que lui devienne athée et renie l'islam. Jusqu'à ce que lui devienne athée et renie l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam, wa ta'ala. De même, ceci est arrivé avec Ibn Aqil. Ibn Aqil al-Hanbali, c'est un grand imam. C'est un Hanbali. Il faut savoir que dans l'histoire de la croyance islamique, c'est les protagonistes et les gens du madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal qui ont beaucoup défendu et se sont battus pour garder la bonne croyance. Il y a eu des imams, Maliki, certains Hanafi, Shafi'i, qui ont gardé la bonne croyance. Mais la plupart des gens de leur madhab étaient sur l'Ash'ariya et sur la Soufiya. À la différence des Hanabila, de ceux qui étaient sur le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui la plupart étaient sur la croyance des salafs. Leur croyance de Ahmad ibn Hanbal d'ailleurs. Mais Ibn Aqil, il dit lui-même, subhanallah, écoutez ça, dans le sens de ses paroles. Mes compagnons m'interdisent de m'asseoir avec certaines personnes dont je peux profiter de leur science. Il parle de qui? Des gens qui enseignaient la rhétorique. Les gens de l'égarement. Et les Hanabila, ils rapportent. Et Ibn Aqil disait cela jusqu'au point où il s'est égaré lui aussi dans les domaines des noms et des attributs d'Allah et il a été touché par leurs égarements. C'était un savant. Ibn Aqil, c'est un savant, c'est pas un ignorant. L'imam Ad-Darqutni. Ad-Darqutni, c'est un imam de la sunna. Un des plus grands hafiz que la communauté musulmane l'a connu. L'imam Ad-Dhahabi, il dit, si effectivement l'Ilal, le livre qu'il a écrit, l'Ilal, il l'a écrit de mémoire, parce que c'est ce qui est dit, il l'a écrit de mémoire. C'est des chaînes de transmission qui se ressemblent et celles dans lesquelles il y a des erreurs. Il a dit, si effectivement il l'a écrit de mémoire, alors Darqutni est le plus grand mémorisateur que la terre ait porté. Imaginez-vous, qui c'est Darqutni, rahimahullah. C'est un grand savant du hadith. Mais il respectait Abu Bakr al-Baqillani. Abu Bakr al-Baqillani, c'est quelqu'un qui avait des croyances ash'ariyah, qui n'a pas suivi, en fait, bon, d'ailleurs, l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, il est revenu sur ses erreurs. On va dire kullabiyah. Mais ce qui est connu aujourd'hui, le fait d'interpréter les noms et les attributs d'Allah, tabaraka ta'ala. Mais parmi les bonnes choses qu'il faisait Abu Bakr al-Baqillani, c'est qu'il répondait aux Mu'tazila, il répondait aux négateurs, aux kuffars. C'est vrai qu'il faisait des bonnes choses pour ça. Mais il avait une innovation, il avait de l'innovation dans sa croyance. Alors l'imam Darqutni lui a montré du respect en public. Et à cause de cela, certains de ses élèves, comme Abi Dhar al-Harawi, ont été influencés par al-Baqillani. Et ils ont été la cause de transmettre la croyance Ash'ari dans le Maghreb, avec tous les gens qui venaient apprendre le hadith avec lui. Regardez l'erreur d'un imam, comment ça peut être dangereux pour ceux qui suivent derrière. On va finir avec donc le dernier point dont on a déjà parlé, mais qu'on va répéter pour finir, qui est
délaisser toute polémique, débat et dispute dans tout ce qui touche à la religion. Omar ibn Abdelaziz a dit « Celui qui fait de sa religion un objectif qu'on doit atteindre après les polémiques et les disputes, il va beaucoup changer. Il va changer de voie tout le temps. » Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit à une personne qui voulait polémiquer avec lui « En ce qui me concerne, alors je connais ma religion parfaitement. Si toi, tu t'es égaré et tu as perdu ta religion, alors va la chercher. » C'est-à-dire, moi, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Ceci aussi a été rapporté par l'imam Malik ibn Anas, qu'une personne des passions a voulu débattre avec lui. Il a dit, en ce qui me concerne, je suis sur une certitude et une voie claire de ma religion. C'est toi qui es dans le doute. Va discuter avec quelqu'un qui est dans le doute comme toi et laisse-moi tranquille. Va discuter avec quelqu'un qui est dans le doute comme toi et laisse-moi tranquille. Donc voilà, aujourd'hui, en résumé, ces 6 premiers points que l'on a vus, qui sont les fondements de la sunna. Et on répète, maintenant qu'on les a vus, on les répète. L'imam Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhu, a dit, les fondements de la sunna, selon nous, consistent à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les prendre pour modèle, délaisser les innovations religieuses, car toute innovation est bel et bien un égarement. Renoncer aux disputes et à s'asseoir avec les gens des passions. Délaisser toute polémique, débat et dispute dans tout ce qui touche à la religion. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.